Mardi 9 janvier, le site Deadline a annoncé la disparition d'Adrien Cantos à l'âge de 42 ans. L'acteur mexicain, connu pour ses rôles dans Designated Survivor et X-Men, Days of Future Past, a été emporté par un foudroyant cancer de l'appendice. En moins d'un an, Kiefer Sutherland aura perdu deux proches collaborateurs de sa longue histoire télévisuelle. Le 29 janvier 2023 s'éteignait Annie Wershing, qui campait l'agent du FBI René Walker dans la série culte 24 heures chrono aux côtés du célèbre Jack Bauer. Emportée par un cancer à seulement 45 ans, la comédienne laissait une immense peine derrière elle. Il y a un vide abyssal dans l'âme de cette famille aujourd'hui. Mais elle nous a laissé les outils pour le remplir, confiait son mari. Un an plus tard, CST de nouveau le cancer qui a arraché bien trop tôt l'un des partenaires d'écran de l'acteur américain. Adam Cantos, acteur mexicain de 42 ans, est décédé des suites d'un fulgurant cancer de l'appendice, comme l'ont annoncé ses représentants ce mardi à Deadline. Ceux qui l'ont entrevu ont été changés à jamais après des débuts dans la musique au Mexique. Il est repéré pour ses talents d'acteur en 2013 pour la série The Following qui marque ses débuts. Entre 2016 et 2019, il a incarné Aaron Shore, chef de cabinet de la Maison-Blanche puis vice-président, dans la série politique Action Designated Survivor aux côtés de Kiefer Sutherland. Il est également apparu dans le blockbuster X-Men, Days of Future Past, mais aussi deux Arts avec Alberi ou encore Meurtri, réalisé par cette dernière. Ces dernières années, les fans ont pu le voir dans la série The Cleaning Lady aux côtés d'Elodie Hugh, dont il n'a pas pu reprendre le chemin du tournage suite à la fin de la grève à Hollywood en raison de son état de santé. Adam Cantos laisse surtout derrière lui une famille meurtrie. Avec son épouse Stéphanie Anne Cantos, il venait de donner naissance à deux enfants, Roman Alder, 3 ans et Eve Jospein, 1 an. Adam avait une profondeur d'esprit que peu de gens connaissaient vraiment. Ceux qui l'ont entrevu ont été changés à jamais. Il manquera beaucoup à tant de personnes, ont confié ses représentants. Une famille aujourd'hui meurtrie par la peine. Cheers.